Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 On s'est pas vu depuis hier. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Hier, je sais pas quand est-ce que je vous ai quitté. Je crois que je vous ai quitté à Avignon en fait. Et ben là, comme vous l'avez vu, je suis à Lyon. Je suis à Lyon, mais je vous reprends en fin de journée, on va dire. Fin de journée, non, il est 15h. Mais je suis arrivée hier soir à Lyon vers 20h30. Et finalement, au lieu d'aller à l'hôtel, parce que je savais pas si j'allais dormir à Avignon. Pour visiter encore de nouveau Avignon ce matin et ensuite partir aujourd'hui sur Lyon et redormir sur Lyon ce soir. Et en fait, ouais, j'ai pas envie de tarder pour rentrer non plus. En tout cas, j'avais pas envie de tarder pour rentrer. Ce qui veut dire que bah, hier soir, j'avais du mal à me décider. Et en fait, à 17h30, je me suis dit, allez, je vais direction Lyon, je vais prendre une chambre d'hôtel et je vais arriver là-bas, je dînerai là-bas. Et comment dire? Et puis aujourd'hui je visiterai Lyon. Et puis à un moment donné je me suis dit, vas-y, je vais envoyer un message à ma copine. J'ai une copine qui habite Lyon. Ce qu'il y a, c'est que elle m'avait dit qu'elle partait peut-être en vacances. C'est les vacances scolaires. Donc moi je comptais pas lui envoyer de message parce que je me disais elle n'est pas là. Et bah, finalement j'ai bien fait parce que je me suis dit, au cas où, franchement, ça serait con que j'y sois et que je la vois pas. Donc j'ai envoyé un message en lui disant. Coucou, ça va, est-ce que t'es parti en vacances ou est-ce que t'es sur Lyon? Parce que sinon je fais un passage, sinon c'est pas grave. Et finalement elle était là, donc je suis allée chez elle, j'ai passé la soirée avec elle, j'ai dormi chez elle, elle bossait, donc j'avais peur de la déranger, mais bon, ça allait, elle est partie bosser ce matin. Je dormais encore un peu, je me suis levée je crois à 8h30, elle était déjà partie. Et le temps que je bois un café, bah, j'ai décollé, je crois, à 9h30 de chez ma copine.
Et bah, j'ai vadrouillé de 9h30, 10h jusqu'à là, 15h, dans Lyon. Et là, à 15h, j'avais déjà prévu de partir de Lyon à 15h pour éviter la circulation. Parce que Lyon et Paris, hein, c'est similaire au niveau circulation. Donc bah, là, j'ai décollé 15h, c'est parfait, je suis sur la A6. Et normalement, dans 5h, 4h. Je pense qu'avec les arrêts station-service, je pense dans 5 heures je serai chez moi. C'est-à-dire pour entre 20h et 20h30. Je serai chez moi entre 20h et 21h, je pense. Bon, voilà les news. Et j'ai mangé sur Lyon et j'ai passé une super bonne journée. Entre hier et aujourd'hui, franchement, ça m'a fait grave du bien. Et c'est ce dont j'avais besoin. Je voulais pas rentrer directement. J'avais besoin d'une petite coupure pour pas me dire je suis passée. De la cure à chez moi, j'avais envie d'une transition. Voilà, j'avais besoin d'une transition. Et là, elle était parfaite. Elle était ni trop courte, ni trop longue. J'ai décollé de la cure hier matin. Je rentre chez moi ce soir. C'était juste parfait. Donc voilà, j'ai passé deux super journées avec du beau temps. Et bah, demain soir, la pluie sur toute la France. Donc finalement, j'aurais bien profité du beau temps. Et paraît-il que j'ai bonne mine. Donc voilà. Donc je vous dis à ce soir, je suppose. Bisous. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Diététique, on est jeudi, ouais, jeudi. Je suis enfin arrivée chez moi, il est presque minuit. Il est minuit moins 10, on est encore jeudi. Je viens d'arriver parce que je suis arrivée sur Paris. Il devait être 20h, je suis passée voir ma famille, j'ai mangé avec eux, etc. Et là, je viens de rentrer et bah, j'ai monté tous mes bagages et j'ai apporté avec moi un bagage supplémentaire. Je vous le montre tout de suite. Donc, déjà que je suis venue avec mes... Oui, donc déjà que je suis venue avec mes deux grosses valises, mon gros sac à dos, mon petit sac à dos, mon petit sac à main, mon petit... Avec un milliard de trucs. Et en plus, j'ai un... sac en plus que j'ai apporté avec moi. En tout cas, j'ai fait un passage entre chez mes parents et ici pour aller chercher mon sac supplémentaire, comme si j'avais pas assez de bagages comme ça. Non, alors un sac supplémentaire. On fait un unboxing. Allez, on ouvre le colis ensemble. Attendez, je vous mets là. On va déballer. On déballe ensemble le petit sac à dos. C'est un sac à dos aéré, très sympa, offert par ma soeur. Voilà, donc il y a de l'aération, histoire que ça passe à travers. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Oh, tu as froid. Et voilà.
tout ce petit truc dans ce gros sac. Je reviens de chez mes parents, donc il a fait le petit voyage, le pauvre. Il n'arrêtait pas de miauler, il se sentait seul dans son petit sac. Regardez. Non mais regardez. Alors? On voit pas ses yeux, il fait trop sombre. Je vous jure, il a des yeux. Il ou elle, c'est à voir. Ah, attendez. Non, j'ai pas trop envie de... Oui, je sais. C'est ça? C'est ça que tu voulais, c'était un câlin. Tu veux faire dodo? Tu veux faire dodo? Ben voilà. Tout ce qu'il voulait, c'est ça. Oui, ok, je vais te laisser dormir. Regardez, regardez-le. Il est trop chou. Et ben voilà. C'est mon colis. C'est mon petit colis. Donc voilà. C'était pour vous présenter mon nouvel ami qui est fatigué d'ailleurs. Et on, voilà, on clôture cette cure avec 3 semaines et demie au lieu de 4. On n'est bon, pas très loin. 3 kilos en 3 semaines puisque je me suis pesée mardi. Sachant que je m'étais pesée le premier mardi. Donc ça faisait 3 kilos, donc 1 kilo par semaine, ce qui est très bien parce que c'est ce qui permet d'avoir une perte de poids à long terme qui perdure. Donc faut pas que ça soit trop, c'est entre 500 grammes et 1 kilo. La perte de poids doit pas dépasser. Il ronronne, il ronronne. Bah, je vais vous laisser là parce que je vais m'occuper de moi et de mon chaton. Et je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Je ferai une conclusion avec un petit résumé et parler en gros du côté négatif, du côté positif d'une cure diététique. En tout cas, je ferai un résumé. Je vous dis donc que je suis fatiguée. Que j'ai 1 tonne de linge à laver. Je n'arrive pas à me concentrer. Bon, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.